Bien, salut les enflammés, c'est Miss Clam, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va parler des courts-métrages de Dofus, encore une fois, et sûrement la dernière, car je ne trouve pas plus de courts-métrages intéressants à vous proposer. Et du coup, on va passer directement au premier court-métrage. Les premiers courts-métrages que je vais vous parler, il s'agit de petites parodies créées sur Dofus par le youtubeur The Dark Scream. Il en a fait 6 au total sur sa chaîne, en voici justement les noms. Nous avons le trafiquant de drogue, le restaurant, l'invasion des héliotropes, le répondeur, le Monopoly et la mission de Archer et Lana. À part la dernière parodie que j'ai citée qui fait 13 minutes, elles font toutes entre 2 et 3 minutes. Donc si vous aimez Dofus et que vous avez quelques minutes à perdre, n'hésitez pas à aller voir la chaîne. Le lien est en description. Et sur ce, court-métrage suivant. Héros a son histoire, et chaque histoire a son commencement. Cette fois-ci, nous allons parler d'une série créée par le youtubeur Zera en Roche. Le court-métrage partage deux parties, une dans l'univers de Dofus et une dans l'univers de Wakfu. Nous allons parler de la partie Dofus. On suit l'aventure d'un aventurier incarné en Kra par erreur. Il a commis de nombreuses erreurs comme détruire un Carnam et donc empêcher l'incarnation de nouvelles âmes ainsi que la provocation du chaos d'Ogresse. Mais je ne vais pas vous en dire plus, je vous laisse découvrir ça par vous-même. Le lien de la playlist de cette série est dans la description et sur ce court-métrage suivant. Je vous présente maintenant Dofus Renaissance, créé par la chaîne Esprema Co. Malheureusement, cette série ne comporte que 2 épisodes et elle n'a été jamais terminée. Mais mérite quand même un petit coup d'œil. Pour résumer, nous suivons l'histoire d'un Osamonas, d'un Inripsa et d'un Yop, voulant trouver les Dofus primordiaux afin de stopper l'oppression de Brakmar qui est sur Astrub. Je vous laisse donc découvrir ça par vous-même, le lien de ma playlist est en description. Je vous présente cette fois-ci l'enfer du monde des 12 créé par The Dark Scream également. Cette série comporte 4 épisodes d'une durée entre 4 et 12 minutes. Nous suivons l'aventure de plusieurs personnages, on voit la prise en main de tout le monde des 12 par une personne, mais ça va s'inverser à un moment. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse regarder ça par vous-même, le lien de ma playlist est dans la description car malheureusement, cette série est en non répertoriée. Et sur ce, dernier court-métrage. Et le dernier court-métrage que je vous présente, il s'agit de La Revanche de Gul'tar, qui est la suite de l'Enfer du Monde des 12, donc créé aussi par The Dark Scream. Cette série comporte seulement 2 épisodes et n'a pas eu de suite, mais mérite quand même le détour pour résumer. Après avoir justement éliminé le problème dans les précédentes saisons, cette fois-ci quelque chose de bien plus dangereux se prépare. Je vous laisse découvrir ça par vous-même, le lien de ma playlist est dans la description, car malheureusement cette série aussi a été placée en non répertoriée. Et sur ce, on passe à l'outro. Et bien voilà, j'espère que ça vous a plu. Ce deuxième épisode m'a pris pas mal de temps à faire, car comme je vous ai dit au début, il m'a été très compliqué de trouver des nouveaux courts-métrages qui en valaient le coup à être présentés. Du coup,
Il n'y aura eu que deux vidéos à ce sujet, donc j'espère quand même que ça vous a plu. N'hésitez pas aussi à regarder dans la description les chaînes et les playlists par rapport aux courts-métrages que je vous ai présentés dans cette vidéo sont dans la description. Pour ceux qui souhaitent, vous pouvez mettre un like, un commentaire et à partager, ça me ferait super plaisir. Pour les intéressés, le lien de mon Discord, de mon Twitter et de mon Instagram sont dans la description. Et si vous venez de me découvrir sur cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ainsi qu'à activer la cloche de notification. Et sur ce, c'était Miss Flamme. Bye bye tout le monde!